3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est banco. J'ai une petite mèche affolante. Voilà. Tout compris. Donc là, je t'entends correctement, normalement. Ah non, mais depuis leur mise à jour, il fait que te planter pour rien. Ah là, je t'entends mieux, mais par contre, ça coupe quand tu parles. Mais non. C'est parce qu'il faut que tu apprennes à parler devant ton micro. C'est tout. Ça, je s'apprend. Suis devant. C'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend. Et oh, hein. 3, 2, 1, go. Lancement Lurek, c'est bon. Ah ouais, mais j'ai le son du jeu qui est P. Ah oui, c'est bon. Voilà, je me disais bien. Oh, les temps de chargement des modes, 35 modes. Eh ouais. Moi qui voulais mes écho machin. Oui, oui, hein. Quoi ? Écho mon cul, hein. Attends, ils sont pas dégueulasses, ils sont beaux. Ah non, bien ils sont pas dégueux, mais il y en a déjà 35 à charger, merci quoi. Eh ben, on est 35, on est plus proche, on n'est pas très proche de 40, hein, on est plus à 5 près. Si. Si tu réussis à load avant moi, ça veut dire que ton PC va plus vite que moi. Là, le combat là. 34. Oh non, c'est toi qui vas load avant moi. 34. En plus, moi j'ai mis déjà, j'ai lancé 10 ans après toi. Ouais, mais t'as lancé 10 ans après moi, tu m'as déjà rattrapé. 34, tu l'as eu vachement vite par rapport à moi. À mon avis, on va load en même temps. 35, je load. Moi aussi. Ah bon, bah en même moi, temps. Moi, t'as dit je load, ça lance en même temps. Wouhou, les textures qui chargent au début parce que c'est dégueulasse. Oh, j'adore au début. Quand ça ressemble à de la pâte à modeler, c'est le top du top. Voilà. Pâte à modeler, t'es gentil. Hein. Bah ouais. Ah, ça c'est y ton est, gosse ça qui fait ce genre de pâte à modeler, je me poserai des questions. Hein. D'ailleurs, qui, dis-moi dans les commentaires, qui a déjà eu les petits dinosaures vous savez, c'est des petits blocs de... On dirait de l'argile, des petits blocs de sable, d'argile. Et en fait, fallait creuser pour avoir le petit dinosaure à l'intérieur. Moi, ça, je l'avais. Hein. Toi, tu l'avais pas. Mais moi, alors, ça, j'en ai eu. Hein. Ouais, moi, non. Clooney, qu'est-ce que tu fais là? Oh là 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 là. Bah, Clooney, ok, il boit de l'eau. Tout va bien. Il y a zombie. Ah oui, du coup, ils ont décidé de changer les couleurs dans les modes de Ark. Enfin, ça y est. Ils nous ont mis, en fait, la Manticore, à la base, c'est un mode. On ne pouvait pas changer ses couleurs. Et donc, ils ont décidé, ça y est, de changer les couleurs de la Manticore. C'est possible. Donc là, on les a pas modifiés. Ils sont tels qu'on s'est reconnectés. Donc le mec, comme il les a foutus, quoi. Donc c'est pour ça, celui-là, je l'ai appelé zombie parce qu'il a une tête de zombie. C'est immonde, quoi. Qu'est-ce qui me pousse? Ah, c'est le dragon. Putain, j'ai pas montré notre nouvelle zone. Là, maintenant... On a une petite maison. Hop, je monte. Oui, on a une petite maison visite. Bien propre. Quelle? Regardez-moi ça. Avec la Martine couchée, là. Gros. On peut pas se pousser la Martine. Elle fait toujours chier, celle-là. Alors. Hop. Bah, c'est nickel. D'ailleurs, c'est Martine qui a décoré. Cette zone-là. Bon, là... y a rien du tout pour le moment. Bon. C'est chouette, c'est mignon. Donc, ensuite... Là, en haut, pour le moment, c'est toujours la même chose. C'est toujours les blocs... C'est toujours ça, oui, c'est toujours les blocs. On va prendre une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il est possible de grabber les serpents. Ah. J'ai fait par erreur. D'accord, ok, adieu. Non, mais... J'avais compris. Et ça, c'est la zone de stockage, désormais, qu'on a. Donc, du coup, tous les modes sont listés en barre d'infos. Maintenant, en fait, Anto a mis un... Sur Steam, en fait, il y a une catégorie... Collection. Voilà, une collection, et du coup, elle regroupe l'intégralité des mods qu'on a actuellement. Donc, tout est listé dans la barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer dans le lien ci-dessous. Vous cliquez dessus, tout s'ouvre et impeccable. Donc, du coup, là, on peut ranger le bois, le touch, la fibre et compagnie, la peau. On a tout qui est ici, voilà. Tout est ici pour être le plus tranquille possible. On a tout, nos balles, on a l'intégralité ici. Ici, c'est vraiment le petit poste en auto. Ça, c'est Pimp My Dino. Qu'est-ce que c'est classe, ça? J'ai baissé un peu la qualité graphique parce que j'avais des lags. Je verrai par la suite si je remonte ou pas. Bon bah voilà, toutes les stations de craft, tout ce qu'il faut pour crafter. Donc comme ça on est banco. Alors je redescends. C'est Anto qui me l'a récupéré, le Megalosaurus. Je ne l'avais pas. Et il m'a fait une surprise, il me l'a rapporté. Et du coup ils sont tout le temps dans les grottes à faire dodo. Oui. La journée, mais par contre la nuit, là ils sont réveillés, ils font beaucoup plus mal. D'où pourquoi en fait ils s'allongent tout de suite en fait parce qu'ils ne supportent pas le jour. Donc il va se coucher direct. On a eu des nouveaux Tilacoleo pour ceux qui ne le savent pas. En fait on avait eu
ça, voilà. Et ça, par la suite, on lui a trouvé un... Alors attends, Twins et Twix, ce sont des jumeaux, parce qu'on a fait une portée avec Scary. Scary qu'on a trouvé, du coup, et qui était un niveau assez impressionnant. Il était 380, je crois, au niveau de son e-level. Donc du coup, on l'a récupéré. On a fait une portée, et du coup, on a fait Twins et Twix. Du coup, deux frérots, pas mal. Et je tiens à préciser, alors oui, parce que... Alors là, parenthèse, avant qu'on commence cette vidéo. Donc vous avez été très nombreux à me dire, Kiki, le Tilacoléo, t'as pas exploité tout ce qu'il était capable de faire. Tu peux grimper avec le Tilacoléo. Et ça, ce sont des choses auxquelles je me suis aperçu après le rec de la vidéo. Effectivement, je me suis aperçu que le Tilacoléo avait la faculté de grimper en fait sur des murs du coup, alors que je croyais effectivement qu'il n'était capable que de grimper dans des arbres. Et ça me dérange pas que vous me l'ayez dit. Moi, ce qui commence à me déranger par contre, c'est de me prendre dans la gueule des Kilira, t'es pas capable de... Ça sert à rien franchement de faire une vidéo sur les Tilacoléo si tu sais même pas qu'ils sont capables de monter. Ça sert à rien de faire une vidéo sur les Tilacoléo si tu sais même pas qu'ils sont capables de faire ceci, faire cela. Bon, je tiens à préciser juste une chose. Quand je tourne la vidéo, je la tourne quasi au moment de la sortie du dinosaure. Donc, je le connais pas à 100%. Je découvre le dinosaure tout comme n'importe qui le découvrirait. Et donc, effectivement, je ne savais pas qu'il était capable de grimper sur des structures. Et je l'ai vu après le rec. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe après le rec, en fait. Donc, du coup, effectivement, je l'ai vu après. Et vous avez été très nombreux à me dire, donc, oui, tu savais pas. Ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est par contre les gens qui croient trop au-dessus de tout le monde et qui font, ouais, mais ça sert à rien de faire des vidéos hein, si tu sais même pas qu'on peut faire ceci, cela. Non, ça, c'est bon. Enfin, ça sert à rien de me dire ça, d'accord. Moi, j'apprends comme tout le monde. Effectivement, je ne le savais pas. Je l'ai su après le rec. Ça, vous ne l'avez pas vu. Donc, vous me l'avez dit dans les commentaires. Merci pour ceux qui sont sympas et qui mettent des informations comme ça. Par contre, ceux qui mettent des insultes et tout, ça ne m'intéresse strictement. Aujourd'hui, on se retrouve pour des animaux aquatiques, de la petite bestiole aquatique, parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et faut bien dire une chose, c'est qu'on n'a pas de bestiole aquatique en fait sur ce serveur actuel, et du coup on ne peut pas les tamer, les anguilles, parce que je voulais quand même avoir des bestiaux aquatiques pour aller tamer certains dinosaures aquatiques. Partir directement sur une baleine, un basilosaurus. Oui, ou sinon sur une baleine. Donc du coup on va faire ça. Ah oui, du coup on a rangé pas mal de choses, j'ai fait du rangement, tout est très très propre comme vous pouvez voir. Enfin, on a vraiment tout clean pour déménager correctement. On essaie d'améliorer un petit peu l'habitacle. Ça fait du bien aussi. De temps en temps, on a décoré. Enfin, du coup, là, pour le coup, j'ai décoré. Donc, je vais aller chercher mon armure qui est ici. Ah oui, mais faut expliquer. Attends, faut que j'explique parce qu'il y en a, du coup, qui vont pas comprendre. En fait, le... Voilà. Le Water Dragon, donc comme je vous ai dit, ça fait partie des modes qu'on a dans le jeu. Donc du coup, le Water Dragon n'a pas la capacité de voler. Il sait pas voler en fait. Ça a été mis là, ça a été mis à jour récemment, ce mode. Hein, il n'y était pas avant. Mais en fait, ils ont la faculté d'aller sous l'eau. Et ils sont pas capables. Regardez, ils sont pas capables de voler en fait. Ils peuvent pas faire plus. Donc du coup, par contre, ils ont la faculté d'aller sous l'eau. Donc on va l'utiliser pour aller former un petit baleino. Non mais là, par contre, je suis tétanisé. Attends, il croque bien ou pas? Je fais quoi? Je vais tout au fond de l'eau? Non, pas tout au fond. Elle est pas tout au fond. Là, il y a une manta. Là, il y a un dragon des eaux. J'ai level combien? J'ai pas eu le temps de voir. 50. Okay. Je m'en vue première personne parce que sinon, vous allez encore crier. Première personne ou pas, maintenant, les lunettes fonctionnent. Avant, elles fonctionnaient qu'en première. Alors, on voit pas grand-chose, je trouve. Oh! Mais ils sont cons! C'est... Pardon, j'ai paniqué en avance. Donc j'explique en fait, parce qu'il y a d'autres personnes sur le serve, du coup nos amis, et ils ont des plésios, ils ont des kraken, ils ont des machins. Et du coup en avançant, j'ai vu les pires bestioles aquatiques face à moi. Du coup j'ai pris panique. Effectivement. Donc pour tous ceux qui n'avaient pas vu le kraken à quoi il ressemblait, le voici, le voilà, tout mignon le petit kraken. Grave. Ah c'est le tus. Oh, baleine, face à moi, face à moi. Mais non, mais je descends, regarde, regarde! Avec un enfoiré là, mais. Barre-toi. Attends, je vais buter le requin avant. On en a pas à la maison des Black Pearls par hasard? Je crois que si. Alors. Comment? Bon, on sait qu'il y en a. Moi, ce qui me met pas bien, c'est l'autre là. Qui? Et le Kraken. Il est où? Parce que là, je te vois. Tu me vois, là? Ouais. Il est par là, en bas. Attends, je descends. Il est par là, à gauche, là. Enfin, face à face avec, je vais pas être bien, tu vois. Oui, il était par là. Fais gaffe, t'as un mégalodon. Ah, il est là. Où est-il?
Ça. Oh merde! Oula, hey, il est pas content? Il défonce tout ce qu'il trouve. Oula, 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 oula! Je vais pas niquer le. Mégalol. Bah, le! Regarde tout ce que t'as au cul! Hein? Tout ce que j'ai c'est... au cul. Regarde, regarde! Ah ouais, Shark Attack quoi! Attends, je remonte! Sharknado le bordel! C'est derrière toi, attends, je monte mes points. Je te vois, je te vois, je te vois. Ah, je la vois, tu vois, je la vois. Tu la vois? Regarde. Je comment tu vas faire? Comment on s'occupe? Apprends-moi! Mais non! Faut tout manger? Tu croques et, faut que tu... et en fait, les mantas vont la lâcher parce qu'elles vont venir vouloir avoir ma peau. Et après, tu te fais les mantas. Fais gaffe, hein, les mantas font mal en équipe. Hein. Moi, c'est pour ça que je me suis taillé vite en courant. Ah, t'as raison! Et en fait, elle ne prend plus. Non, elle lâche la baleine. Et du coup, tout est niqué. Bon, j'ai tué deux mantas là. La technique, quand même, toi tu leur fais super mal parce que t'es, t'es poisson aussi. Ouais, c'est pour ça que j'en profite. Aïe! Tu fais plus mal aux poissons toi aussi. Moi souille! Eh! Ça va ou quoi? C'est quoi que j'ai dans la gueule là? L'autre dope. Qu'est-ce que c'est que j'ai dans la toi, gueule t'auras là? T'auras pas à manger. Toi par contre, c'est quand tu veux que t'as faim. Hein. Toi aussi d'ailleurs. J'ai pas envie de manger lui. What? Force à bouffer là, parce qu'il en a perdu de la vie. Hein. Tu ferais gaffe à la vie du dragon, hein, il a pris cher. Hein. Bah, je sais. Par contre, là, s'il faut que tu croques la manta derrière toi. Hein. Ouais, là par contre. Attends, parce que là. J'en ai touché une. Est-ce qu'elles vont venir vers toi? Ah yes. Bah oui, oui, oui. Carrément. Ok. Salut. Oh là là, mal hein. Salut. Tu l'as tué? Ouais. Faut que j'aille manger. C'est quoi hein. Qui me tape? Pourquoi t'es en train de crever? Ah, je suis pas bien, mon dragon il est pas bien du tout. Hein. Je vais la laisser descendre toute seule la baleine. Pourquoi? Poursuite de même dans l'eau, ça marche, hein, parce qu'on regarde en bas. Mais les cons! Autant de temps pour crever! Salope! Bah d'accord, autant de temps pour se jeter dans la gueule du loup. Ah, ça va, il l'aggro pas. Bah moi j'y vais pas. Hein. Alors moi je n'y vais pas. Elle est en train de remonter. Moi je vais remonter par contre parce que là. 2000 years late. Putain enfin. Ah ça y est. Ah ouais. Attends j'y vais. J'arrive. Tu sais que j'arrive. C'était une catastrophe. Au niveau du fight et tout. Alors t'es où? Parce que tu vois j'étais tellement en train de clean toutes les zones. Ah t'es là. On l'a eu? Ouais là. Yeah! 239, saloperie! Saloperie! Une nuit entière sur Arc! Connasse! Ah ouais, non mais. Je peux la croque maintenant. Par contre, j'ai toujours mal mon dragon. Hein. Par contre, faudra que j'augmente par la suite ses dégâts et tout parce que c'est la merde. Hein. Ouais. C'est pour ça que là, je viens dans l'eau avec toi. Et bon, sinon, vite fait, du coup, ça change et c'est bien, je trouve, le fait de montrer. De ne pas cutter les vidéos et de montrer un petit peu la galère qu'on a. On connaît pas forcément tous les dinosaures de Ark et ça serait pas rigolo si on les connaissait tous, moi je trouve personnellement. Il y a plein de dinosaures où je ne connais pas forcément leurs facultés et je les apprends, je veux lire leurs caractéristiques et compagnie. Donc je trouve que c'était cool quand même de galérer, ça fait du bien de temps en temps. Oui, n'aie pas peur en dessous de toi, c'est normal. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ah. J'ai peur. Ah bah c'est bon, on arrive déjà à la maison. Donc du coup, il va falloir qu'on fasse... Il y a un mégalodon qui les a attaqués. Grosse erreur. Ah ouais, fallait pas gang ça. Bang. Du coup, attends, il est où l'autre? Elle est là. Donc du coup, il va falloir, dis donc, se faire une zone pour les dauphins. Et puis pour la baleine. D'ailleurs, t'as des engrammes pour la baleine ou pas? Pour apprendre sa selle? Oui, bien évidemment. Mais ça se trouve, j'en ai peut-être une, faudra que je regarde avec tous les crafts que j'ai chopé, etc. de côté. Voilà, carrément. Du coup, on a pris un animal, enfin, on a pris le dragon aquatique qu'il y a sur le mod qu'on a. Bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas dotés du mod ou qui ne sont pas admin et voilà, qui jouent sur un serveur, voilà, où ils n'ont pas la possibilité d'être admin dessus. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est un petit animal aquatique. Ah, c'est de la merde pour tourner! Un le dragon, dauphin. C'est immonde. Ouais, un petit dauphin. En plus, ils peuvent être très, très, très rapides. Et ça, c'est pas dégueulasse. Attends. Est-ce qu'ils me suivent? Ah, j'ai le Ichi, mais pas le Bali. Le Basilo, il est con.
comme un pied. Vas-y, je vais fermer la gate. Fermer la gate. Voilà, yeah. Je vais aller faire la selle de la bête. Et on se retrouve tout de suite. Alors, de la fibre, de la peau. 250 de fibre, 250 de peau. Et on y va. Hop là. Alors, fibre. 250. Voilà, très bien, de fibre. Et genre 200 de peau. Hop. C'est pas ce qui manque en plus au niveau des... La peau et tout ce qu'on a pu former auparavant. Et je me gourre. Et je vais sur le bon smithy au début et là je me gourre. Pousse hein. Ça arrive hein. Voilà, c'est bon. Hop, on craft ça et on pourra l'équiper. On va le tester un petit peu, on va voir ses capacités. Est-ce que tu peux Anto regarder vite fait les capacités du Bazzi pour regarder de quoi il est doté, tout ça. Attendez, je vais vérifier avant de vous donner une connerie. Oui, c'est ça. Eh, si c'est pas stylé ça, arc-en-ciel. C'est stylé. Alors, utility, on va voir à quoi il peut nous servir. Ouais, on va regarder à quoi. Clowny, arrête de mongoliser. En fait, c'est vachement pratique parce que grâce à lui, on va pouvoir farmer les Black Pearl et la biotoxine parce que justement, c'est ce qu'ils disent, dû à son unique habilité, le fait qu'il ne puisse pas être stun par les Cnidaria, donc stun si vous préférez, c'est qu'elle ne peut pas être électrocutée et du coup freeze, étourdie, donc tu peux pas être grab par le Tussotis. Le Kraken, quoi. Donc le Kraken, il a une faculté. Cette grab avec ses pattes et tout pour aspirer ton sang, en fait. La vie, en fait, ouais. Et ben, apparemment, le Basilo ne peut pas être grab. Du coup, ça te permet de fight assez simplement des Kraken sans... Enfin, lui, il tank, il fait des autres fights. Ouais. Il protège les personnes qui sont sur lui des températures extrêmes. Ouais, par contre, si on va dans l'eau profonde avec, il prend 100 de damage toutes les secondes. Oui, c'est vrai, plus... plus on va dans les profondeurs, en fait, et plus ses dégâts... Plus il va prendre de dégâts, c'est vrai. Effectivement, je l'avais vu, ça. Qu'est-ce que... Merde, y'a Ryuken qui mongolise derrière la gate. Donc du coup, en attendant, j'espère vraiment que cette vidéo sur Ark vous aura plu. J'espère aussi que le fait de voir un petit peu ce qui se passe derrière vous a plu aussi. Comme quoi, les vidéos YouTube, c'est pas que des bons moments à passer. C'est aussi des choses à faire, comme lancer les mods, puisqu'on a 35 mods. Donc faut les lancer, faut attendre, c'est paramétrer les pistes audio, tout paramétrer afin de pouvoir lancer la vidéo et qu'elle se passe dans le meilleur terme possible. C'est aussi se préparer, donc aller chercher les tenues. Nous, on a de la chance parce qu'on arrive quand même à bien s'organiser. Donc du coup, en fait, on a tout ce qu'il faut parce qu'on est quand même très bien organisé. Donc ça va, on a tout à portée de main. Donc voilà, c'est tout de la préparation, mais ça, je voulais vous le montrer. Pas que vous croyez qu'en fait, en deux secondes, en fait, c'est facile à faire. Donc pas du tout. Même les youtubeurs galèrent, je vous rassure. Tu mets-toi devant la maison au niveau du port. Montre un truc assez drôle pour un petit finish. Bah là, je suis sur le ponton. Ah bah, c'est bien là. Ah, ma cassie! Ah, je me suis fail, je l'ai ouvert trop tard. Ah, bah c'était derrière toi qu'il fallait regarder. Ah! Attends. Bah, je recommence en évitant de me péter les jambes cette fois. Si je regarde parce que du coup l'effet était totalement raté. Allez, on remonte. Non, mais juste en plus, j'ai ouvert trop tard le parachute et j'ai failli me tuer. Run. Y'a ma cassie! Oh, ah, bravo! Tiens, Oh, oh la ouais, James Bond stylé. Sur le Basilo. Eh grave, style, franchement stylé. Yeah, trop peine. Classe. Donc en attendant, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, ça m'aide à savoir si vous voulez la suite. Je suis très contente parce que vous étiez très nombreux, n'empêche, à être contents sur la vidéo du Tilacoléo. Et ça fait plaisir. Donc du coup, le prochain objectif, sans hésiter, on va le donner, c'est de tamer les anguilles. Pour se faire quand même un bon groupe d'anguilles, ce qui va être assez compliqué, vu les capacités qu'elles ont, et de tamer par la suite un kraken. Donc ça, c'est les futures choses qui vont arriver sur Ark. Mais avant, il nous fallait des animaux aquatiques, peut-être pas les meilleurs du jeu, mais il nous fallait des animaux aquatiques, oui, et un mosasaur, effectivement. Il nous fallait des animaux aquatiques, donc, pour pouvoir faire la suite, parce que sans ça, je me voyais pas passer. Donc attends, je vous fais de gros bisous, n'hésite pas, comme d'habitude, à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, et autres, tout est listé de façon dans la barre d'infos. Dans la description, et n'oublie pas, tous les modes aussi sont listés dans la description. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde.